Bah d'abord, je suis très heureuse qu'on fête Sainte-Jeanne d'Arc après toutes ces heures de confinement. Je trouve qu'historiquement, c'était important pour le village, pour la communauté. Et puis, familialement, professionnellement, et c'était très amical, très convivial. Je suis souvent cordonnier mal chaussé, c'est-à-dire que je suis Lorraine, mais je ne connaissais pas bien, pas aussi bien l'histoire de Jeanne d'Arc. Toute cette vie, ces générations entre les enfants, les parents, les grands-parents, vraiment cette ambiance très très sympathique. Les enfants qui se sont déguisés, qui jouaient le jeu du folklore lorrain, vraiment une ambiance très bonne enfant, sympathique. C'était d'abord les premières journées de soleil ici, donc c'était extraordinaire. Et puis c'est vrai que c'était très beau, toutes les Jeannettes, la présence du Père, tout ce qui a été dit, c'était très profond. Et le fait de terminer ici à la chapelle de Bermond, si magnifique. Ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas fait de pèlerinage concrètement, donc ça nous a remis en route. Et c'est une très belle journée. Eh bien, je suis à Dorémy, village natal de Jeanne d'Arc, là où tout a commencé. Patronne secondaire de la France, on vient de terminer cette journée de Jeanne d'Arc en botte de sept lieues. C'est une journée vraiment merveilleuse. On a pu célébrer toutes les Jeannes, bénir toutes les Jeanne de prénom avec le père recteur Antoine Baron. Merci à tous de votre présence, ce fut vraiment une journée merveilleuse. Merci à vous et on se donne rendez-vous l'année prochaine.